like sun. We all shine, we are chrome, and we all shimmering. Turn on, turn on. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau maquillage de soirée que j'ai réalisé avec la palette Jaclyn Hill en collaboration avec Morphe. Et je vous ai donc préparé un maquillage plutôt dans les tons marron et doré. Voilà, je pense que vous pouvez trouver ces couleurs-là dans bien d'autres palettes. J'ai utilisé vraiment un doré jaune, un marron mat et une couleur de transition un petit peu entre les deux. J'ai utilisé la technique du half cut eyes, donc j'ai mis un petit peu d'anti-cerne au niveau du milieu de la paupière mobile, donc vous verrez tout ça dans mon tuto. J'espère que ce maquillage va vous plaire et je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes. La base est toujours la même, donc je ne vais pas vous la refaire. Donc évidemment, j'ai protégé les yeux avec une base, ensuite j'ai mis mon fond de teint Dior et de l'anti-cerne avec ma palette Sleek, comme d'habitude. Donc tout ça, c'est pas la peine que je vous le filme à chaque fois, je pense. Donc je vais passer tout de suite au tuto des yeux avec ma super palette Jaclyn Hill de chez Morphe. Et la première couleur que je vais utiliser, c'est un beige mat, un petit peu foncé pour un beige, qui s'appelle Pouter. Et je vais l'appliquer avec un pinceau large estompeur de Artist by Nocibé. Je vais prendre mon temps pour bien l'appliquer pour qu'on le voit quand j'ai les yeux ouverts. Donc je monte quand même jusqu'à l'os de l'arcade sourcilière en laissant du blanc bien sûr au-dessus. Finalement, j'ai changé d'avis. Je vais faire une barrière avec ma poudre libre de chez Affect. Une barrière pour que les fards à paupières soient bien nets sans mettre de scotch, parce qu'avec le scotch, c'est justement trop net. Donc je fais une barrière entre le coin externe de l'œil et la fin du sourcil avec un pinceau très droit, c'est un de chez Zoeva. Je mets une bonne couche de poudre et ça va me permettre que les fards ne dépassent pas de là et d'avoir quelque chose de très propre mais en restant naturel. Et je vais en rajouter un petit peu sous mes yeux parce que comme j'ai déjà fait mon teint, j'ai pas envie d'avoir des chutes de fards à paupières ou de paillettes. Donc je vais rajouter de la poudre comme ça que je tapote avec ce vieux pinceau à blush tout destroy, mais ça fait très bien l'affaire. Et bien sûr tout ça je vais le balayer à la fin et vous allez voir, c'est magique. Ensuite, je prends la couleur suivante, c'est Buns, qui est un marron mat un petit peu plus foncé que du coup le beige que j'ai mis avant, que je place dans le creux de paupière pour bien creuser le creux justement avec le pinceau 217 de chez MAC qu'il vous faut absolument. Donc ça fait un ombrage un petit peu dans le creux de paupière. Ensuite, je prends Cheap, c'est un marron mat qui tire légèrement sur le rouge. Je vais l'appliquer avec un pinceau plat, donc celui-ci c'est mon pinceau licorne que j'ai eu dans la Glossy Box. Et je viens vraiment juste le poser, le tapoter sur le dernier tiers de l'œil et je viens à peine dans le creux de paupière. Je veux pas qu'il monte du tout, je veux vraiment qu'il y ait une différence entre le creux de paupière et la paupière mobile. Ensuite donc pour faire mon half cut crease, comme j'ai si bien dit dans l'intro, il faut utiliser de l'anti-cerne liquide et j'en tapote d'abord sur ma main pour pas en avoir trop sur la paupière mobile. Il ne faut pas que ce soit gras, il faut juste vraiment couvrir la paupière mobile, les deux tiers de l'œil seulement, et je ne dépasse pas le creux de paupière. Ça permet en fait d'avoir une base neutre pour que la couleur dorée que je vais mettre après va bien ressortir. Ensuite, donc, je vais appliquer Queen, c'est un doré très jaune, hyper joli, pailleté, avec le pinceau plat 239 de chez MAC. Donc là, je recouvre mes deux tiers de l'œil. Et là, vraiment, j'aimerais que cette couleur-là, elle ressorte, puisque c'est la star de mon maquillage de fête, le doré. Ensuite, je vais prendre Ilster. C'est en fait une couleur que je vais mettre en transition. C'est un espèce de marron rouille
un marron qui tire un petit peu vers le rouge et je le tapote juste entre mon marron et mon doré. Et si vous n'avez pas ce genre de couleur, vous pouvez prendre tout à fait un marron un petit peu pailleté, ça fera l'affaire. Ensuite, je reprends Queen sur mon doigt, c'est juste pour renforcer un petit peu cette couleur que j'adore et que je ne veux pas perdre. Après, je vais prendre Bim. Ça me permet d'éclairer mon arcade sourcilière. C'est un espèce de crème légèrement irisée. Je vais faire mon trait avec mon stylo waterproof de chez Chanel. Ça permet de renforcer la ligne des cils sans faire un vrai trait. Puisque récemment, j'ai fait pas mal de looks avec un eyeliner. Donc là, j'ai décidé de ne pas le faire. Mais on pouvait tout à fait le faire aussi dans ce look-là. Mais voilà, je fais donc mon trait dans ma muqueuse. Donc ensuite je fais le ménage, c'est-à-dire que je vais balayer toute ma poudre et là donc on voit que ma délimitation des fards est vraiment jolie, enfin selon moi, sans qu'elle soit trop nette. Donc ça reste assez naturel et ça reste propre et mon teint est resté propre, il n'y a pas de chute de fard à paupières dessus. Comme c'est un maquillage de soirée et que je ne suis pas une grosse poseuse de fossiles, j'applique une base de mascara pour vraiment renforcer le volume de mes cils pour les gainer. Donc c'est une base transparente que vous pouvez trouver dans n'importe quelle marque, celle-ci est un Dior. Et ensuite je mets par-dessus mon mascara préféré, c'est le volume de chez Chanel en noir qui fait un volume magnifique, toujours naturel et sans paquet. Après une petite option que j'ai filmée après parce que je l'ai rajouté après coup, c'est en fait un fard à paupières en crème de chez Colourpop. Là c'est dans la collection Kathleen Lights for Some et d'ailleurs c'est la couleur Kathleen Lights. C'est vraiment un doré jaune en crème donc il tient très bien et en plus il va renforcer vraiment ce côté pailleté irisé très joli. Puis ensuite je remets du crayon noir dans ma muqueuse au niveau des cils inférieurs. Et je vais prendre Queen sur un petit pinceau crayon et du Fix Plus. Mais si vous n'avez pas de Fix Plus, vous pouvez quand même mettre une petite goutte d'eau sur votre pinceau pour faire juste la fin de mon coin. Parce que j'aime bien faire un rappel avec le doré. Je trouve ça très joli et ça éclaire aussi l'intérieur de l'œil. Puis je reprends Bunz avec un pinceau très souple. Pour balayer en dessous avec le crayon noir pour faire un effet un petit peu smoky, un petit peu fumé. Et je rejoins avec cette couleur le coin externe de l'œil. Donc je finis mon teint. Je vais passer au contouring. En fait, c'est un contouring très simple avec la palette Cocoa Contour que j'adore. Je prends la couleur la plus foncée avec le Kabuki qui est inclus, biseauté et parfait. Donc je vais creuser un petit peu au niveau de la mâchoire, au niveau des tempes. Ensuite, je vais prendre la couleur médium dans cette palette pour pouvoir dégrader cette couleur-là, pour pas que ce soit trop foncé. Et je fais mon 3 habituel avec un gros pinceau large de chez Nocibé. Ensuite, je prends un blush plutôt orangé, donc corail. C'est le Papa Don't Peach de chez Too Faced qui sent si bon et que j'adore. C'est la couleur parfaite pour ce look-là puisque je suis dans un look plutôt chaud, un petit peu doré. Donc là, c'est un orangé qui est satiné, qui a un reflet magnifique, très beau. Et je vais illuminer mon maquillage avec la palette d'highlighter, le Sun Glow Kit de chez la merveilleuse Anastasia Beverly Hills. Je prends le Moonstone qui est légèrement doré et avec le pinceau tapoteur 188 de chez MAC, je vais éclairer le haut de mes pommettes ainsi que le dessus de mes sourcils et le cœur de Cupidon de mes lèvres. On passe au rouge à lèvres, donc celui-là c'est un de mes préférés des rouges à lèvres classiques. C'est le numéro 33 à la distinguer dans la gamme rouge allure velvet de chez Chanel. C'est un rose absolument magnifique, nude, un rose parfait, ni trop rose ni trop beige, il est sublime.
J'ajoute une toute petite touche de gloss par-dessus pour avoir un petit peu de paillettes. N'importe quel gloss pailleté fera l'affaire. Celui-ci, c'est dans les lèvres scintillantes de chez Chanel. Et je termine en appliquant un petit peu de ce Moonstone, donc l'highlighter, avec mon petit pinceau crayon pour le coin interne, parce que les highlighters Anastasia sont d'une qualité géniale. Donc là, ça va vraiment bien éclairer mon coin interne de manière très jolie. Et ceci termine le look. J'espère qu'il vous a plu. Passez de très bonnes fêtes en famille et à bientôt sur ma chaîne.